nous assumons la vidéoprotection, nous assumons que la sécurité soit partout et pour tous sur le territoire et dans le 18e. Et il est dommage que vous, qui soyez conseiller de Paris depuis 33 ans, maire depuis 15 ans, ancien premier flic de France, en soyez encore réduit aujourd'hui. J'ai jamais été premier flic de France. La sécurité. Non, les premiers flics de France, ça c'est du passe-quoi et c'est, pardonnez-moi, c'est nul. Parce que c'est faux. Voilà. Le premier flic de France aujourd'hui s'appelle Frédéric Pechenard. C'est lui le patron de la police. Oh ben non, c'est un politique qui est placé sous l'autorité du Premier ministre. Hélas, manifestement, c'est pas du côté du Premier ministre qui va prendre ses consignes. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une cinquième aggravée et abîmée par une présidentialisation excessive. Et quand le président de la République s'occupe de police, en général, ça se termine mal. Et c'est bien ce qui se produit aujourd'hui, parce que tout ce qui touche, en général, ça se termine pas bien. Alors, Pascal Julien, puis on va arrêter là-dessus, Mathieu. La preuve est faite que le ridicule ne tue pas. À cette heure-ci, I have a dream. Je rêve. Je suis d'accord avec M. Bournazel. Il faut de la vidéosurveillance partout où les choses dangereuses se trament. Là où des complots s'élaborent, qui aboutissent à des décisions dont souffrent tant les Français. Il faut de la vidéosurveillance là où se trament des choses qui prennent l'argent à certains qui en donnent à d'autres. Il faut des caméras dans le bureau de M. Woerth. Il en faut dans le salon de Mme Bettencourt. Je veux des caméras dans toutes les salles de l'Élysée. Il faut plus de caméras au congrès de l'UMP où se rendent des ministres de l'Intérieur condamnés pour incitation à la haine raciale. Il faut des caméras sur la casquette d'Éric Besson en train de lire la circulaire expulsant nommément des Roms. Oui, vous avez raison, Monsieur Bournazel. Il faut assurer notre protection. Il faut de la vidéosurveillance là où est le danger aujourd'hui. Pour nous, pour nos concitoyens, pour les ouvriers, pour l'environnement, il faut être jusqu'au bout de votre démarche. Vous avez raison. Non seulement, Michel, il faut de la vidéo chez les pauvres, dans les HLM. Le président groupe en suspension séance. Regardez, et de droit, je elle tourne depuis ce matin. Monsieur Bournazel, vous couvrez le ridicule. Vous m'avez éclairé. Comédien. Et je vais essayer vous de vous parler ridiculiser avec vous. Avec vous. Avec le débat de la cinéma lorsqu'il s'agit de la sécurité de nos concitoyens. C'est un scandale. Monsieur Pascal Allez, Julien, monsieur, un faux commis. Vous êtes un homme dangereux, vous êtes un imbécile. Monsieur Bournazel a demandé une suspension de séance. Je lui accorde 1 minute 30. Allez-y. Je demande une suspension de séance parce qu'ici on n'est pas au cirque et vous alliez faire votre cirque chez les Verts. Et s'il y a une caméra de vidéoprotection à mettre, c'est peut-être dans quelques bureaux de la ville de Paris, épinglés par la Chambre régionale des comptes, pour des emplois abusifs. Et ça, vous allez vous en justifier dès le prochain Conseil de Paris. Bien, la séance est suspendue. Elle reprendra dans 1 minute 30 pour 10 secondes. Allez-y.